Aujourd'hui, on va revenir sur l'épisode 2 de Miraculous. Alors, de tous ces genre la dernière saison, la saison 5 évidemment, je vais être honnête avec vous, j'ai pas du tout en fait pris en compte le fait que ça a commencé. J'avais totalement oublié et c'est dire que je l'ai vu genre sur un edit et du tout. Ben, je me suis empressée d'aller voir l'épisode 2 parce que j'avais déjà vu 1. D'ailleurs, la vidéo sur le 1 est disponible si jamais ça vous intéresse, mais du tout, déjà, petit point négatif, je trouve. La diffusion de la saison a été un peu gâchée. Et ça, je pense pas que je serai la seule à le dire. Mais voilà, c'est vrai que. Alors, on a les épisodes dans l'ordre. Maintenant, c'est assez difficile pour savoir bon, si ils sont sortis ou pas avec tout ce délai. Bref, je pense que vous t'en prenez. Mais du tout, voilà. Déjà, c'est ça. Voilà. Petit point qui me châtie un peu. Je sais que je suis pas la seule. Bref, on va rentrer dans l'épisode sans plus tarder. Alors, déjà. Point positif que je pourrais dire, c'est qu'au niveau de l'écriture, c'est beaucoup plus fluide que les saisons précédentes, dans le sens où on n'est plus sur le même cheminement cette fois-ci. Vraiment, on va en fait d'un épisode à l'autre, soit on voit, tu sais, de tout pur ou de moments comme ça. On a la tout pur plus tard, mais on n'a pas en fait au plein milieu. Au début de l'épisode, je trouve ça logique parce que ce serait très bête quand même de dire que voilà, tu vois, même si tous ces problèmes, et ben. Ils ont quand même, tu vois, genre une vie normale et ils vont dormir, le lendemain ils se réveillent, tu vois. Genre, fallait quand même t'en fasses une chouinette de ce qu'ils tentent de faire, de plantes, tout ça, donc franchement, ça, je trouve ça logique. Et c'était bien fait. Et voilà, j'aime beaucoup le graphisme, pareil, de la saison, cette saison. De toute façon, voilà, c'est soit. Ils ont clairement mis le budget dedans, tu vois. Et voilà, ça fait plaisir en tout cas. Et au niveau, ben, de tout ce tu sais, genre. Bah, le personnage, alors on a un énorme développement du côté d'Adrien. Ça, c'est quelque chose de vrai. Dans le sens où il voit en fait Marinette comme quelqu'un d'autre, il voit Marinette comme quelqu'un de special for him. Et il le dit, tu vois, et il essaie de faire des efforts pour elle. Genre, je sais pas, je trouve que voilà, on a un peu le taré amoureux qui s'est inversé après. Voilà, c'est vrai que tout le monde l'avait un peu prévu. Mais voilà, on a l'information que le taré amoureux s'est inversé, juste de l'autre sens. Bon. Marinette, elle s'en fout un peu d'Adrien, tu vois. Genre, elle est beaucoup plus. Voilà. Elle se concentre sur sa mission. Je dirais pas qu'elle est en mode chat noir. Mais je pense que, voilà, lorsque la mission sera terminée, elle sera définitivement en mode chat noir. C'est le meilleur. Et du tout, bah, voilà, on les voit, leur team, tout ça, tout ça. Alors, déjà, il y a un truc que je trouve un peu bizarre. Et vous me direz si je suis la seule au point. Mais le fait que personne s'est rendu compte que c'est Gabriel le méchant, je veux dire. Marinette, elle sait que c'est Félix qui a pris les trucs. Adrien, il le sait. Adrien, il sait que Félix, il est méchant. Donc, tout de même, il peut faire le lien avec son père. Après, même si je pense que, honnêtement, Adrien, si ça se trouve, il va quand même commencer à faire le lien avec son daron. Parce que, tu vois, genre, le fait de le stanner. Alors, on en parle un peu sur, tu sais, genre, un délire de, je sais pas trop. J'ai l'impression de science-fiction avec tout ce côté, le projet de Gabriel, qui est de faire des prototypes humains. Et les 7, ils ont pu faire genre avec ben tu vois avec du tout la mère de ta dame et ben je pense que ça définitivement ça va être un élément clé tu sais genre la saison je sais pas pour toi mais j'ai l'impression que ça va être un moyen d'intégrer le Miraculous World voilà je vous me dirai si je me trompe ou pas mais je vois vraiment moi je le vois comme ça je le vois comme un moyen d'avoir éventuellement le Miraculous World dedans. Puisque logiquement, ben, moi, quand je pense à la technologie et tout, à ce délire un peu, je pense aux États-Unis. Donc, si ça se trouve, on devrait quand même revoir les personnages qu'on avait vus pour les épisodes de Miraculous World, ce qui fait bien sûr assez plaisir. Mais du tout, voilà, je pense que c'est une éventualité à ne pas remettre en question. Donc, voilà. Déjà, ça c'est un peu dit, c'est donné. Alors, bon, niveau trame avec la mère de ta dame dans cet épisode, je sais pas trop ce que j'en pense. C'était franchement pas un truc touchant maintenant. En fait, c'était surtout très intéressant. Je trouve que l'épisode 1 c'était particulièrement touchant. Celui-ci, il est intéressant dans le sens où, ben, en fait, déjà on sait ça. On sait qu'Adrien il essaie un peu d'arrêter le mannequinat de son père, il dit oui, mais un peu trop facilement. Et surtout, on sait que, genre, la mère de ta dame, elle est de mèche avec Gabriel, tu vois. Et on a la confirmation, puisque clairement déjà elle ment à Lady Bud. Elle appelle Gabriel, elle sait que Gabriel c'est genre tu vois le méchant. Et déjà je trouve tout ça c'est bien foutu parce que ben ils ont réussi, tu vois,
à mettre en fait cette fois-ci des méchants, mais des méchants, genre qui sont vraiment méchants. Genre, je parle de Leïla, de la mère de Tadamine, tout ça. Genre, c'est des vrais méchants de l'histoire. C'est pas juste le boulanger qui va se faire automatiser, qui va construire un château d'épines. Donc, ça, je trouve ça hyper intéressant. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En vrai, il n'y a pas grand-chose à dire sur cet épisode dans le sens où il était pas si, tu vois, il n'y avait pas la moindre chose, c'était surtout un temps bas. Comme ben, c'est un peu retrouvé, et c'était l'essence même de Miraculous logiquement. Ils n'ont pas pu retrouver pourtant un Miraculous. Donc logiquement, ça va un peu au-delà des théories où on s'était dit, non, ils vont récupérer un chat épisode. Non, c'est pas le cas. Ils n'ont pas réussi à le faire. Voilà. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'essaierai de faire une vidéo théorie si jamais j'ai le temps entre cet épisode et l'épisode d'après. Sinon, on se retrouvera dans la review du prochain épisode. À bientôt. Salut, abonnez-vous.